نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمنسيون بريمير شير فريسير نوغيتك الله سبحانه وتعالى بيميت نوبتوندي دان ماسفاجار شيرتو دو بريمير ركعات Quand Imam finalement commence la sourate 19, sourate Maryam. Sourate Maryam, pas une sourate qui vient de descendre de Makkah, qui depuis ce nous-mêmes, nous ne finissons pas connaître, nous ne finissons pas comprendre qui ça n'a son histoire. Allah subhanahu wa ta'ala a amené. Mais en plus de ça, il mentionne certaines pas une bande prophète. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran. Mais le point qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est dans le début même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause avec nous, le haine de ce bonne qualité. À partir de là, il y a ce nom, mais seulement, c'est parmi les bonnes qualités qui amène nous pour reconnaître vraiment un seul créateur. Pas veut dire qu'il y a les autres qualités, pas pour amener nous vers sa direction-là. Non, pour amener nous. Mais, cette qualité-là, aime Allah même lui dit à nous ça, dans Surat al-Baqara, déjà quand nous réfléchir, nous guettons alentour de nous, nous vous trouvons sa qualité-là manifestée. C'est quoi? C'est qu'il est un seul créateur. Un seul qui me crée. Quand il crée, il est capable de créer depuis néant. Il veut dire qu'il n'existe pas. Existe. Allah a créé quelque chose. Quand il crée, il est capable de créer depuis l'impossible. Quand un quelqu'un pense, mais pas vous capable de créer cette situation-là. Quand il crée, il manifeste sa capacité de sa création. On dit qu'on est sa création, on va trouver, ça faut dire un créateur comme Allah même qui ne fait ça. Donc, mon Dieu, chers frères, à travers la création que nous guettons, nous trouvons un seul créateur. Nous commençons par nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqara quand il dit « Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum » Premier l'autre qui vient du Coran. « Au bandi moun, à deux autres robes » Ensuite, qui les dit? C'est lui qui crée nous. C'est lui qui crée nous. Même dans surat Nisa quand il commence « Ya ayyuhan nas, au bandi moun, ittaqu rabbakum » Puis les autres robes, c'est lui qui crée les autres. Veut dire Yamin ça rappelle la création insane. Yamin le rappelle la création l'individu. Qui fait? Parce que la question vini insane in vini génération en génération le premier insane n'a que ça qui ne crée lui. Premier insane n'a que ça qui ne crée lui. Les chacun de sa religion al tombe de son réponse à se dire. Parce qu'il n'y a pas qu'à venir ça, il n'y a pas de la terre, l'échelle est tombée comme ça. Il me un créateur de Yéli. Deuxième point de nous dire, il crée depuis un moment qu'on trouve impossible. Et c'est ça qui nous entendait dans le Mas Fajr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, un de ce bon prophète, Zacharie, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Qala Rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu min al-kibari ghitiya. Oh mon Rabbi, comment est-ce qu'il n'y a pas d'enfants? Mon madame est stérile et mon fils arrive à l'âge avancé.
Verset de là nous finit qu'on prend avant finir une demande. Qui demande? Quand Zacharie alayhi salam il fait doa, il nada rabbahu. Quand il fait appel à son Rob, qu'il peut atteindre un âge avancé, et s'il est condamné à des héritiers. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne nouvelle qui devient un garçon. Il demande là, en tant qu'un prophète, il faut dire qu'on a une capacité à Allah. Il demande. Il a la réponse, mon ange vient et j'ai dit oui, Allah me donne des enfants. Mais seulement un point d'interrogation, restez là. Qu'est-ce qu'il a à mon arrivée? Ensuite, ce madame déjà pas gagné des enfants. Veut dire nous, insan, quand nous arrivons là, nous n'arrivons là aussi, mais impossible. Il arrive là au moment, là, la conclusion, mais vraiment, comment on peut faire ça là? Veut dire nous tient ça événement, ce madame pas gagné des enfants, nous tient événement. Livier. Mais dis conclusion là. Conclusion là, c'est quoi? Signé en bas, impossible. Mais dans l'impossibilité là, Allah qui dit, Kola kazalika, kola robbuk. On va te dire qu'on peut causer. Eh, l'injeto, hein? Simple. Eh, l'injeto, hein? Eh, l'injeto, hein? Kola kazalika, kola robbuk. Ton rob, il dit ça comme ça même. Qui dit? Où est-ce qu'il y a Hayyin? Qui l'a demandé? L'a demandé comment, dans un simile impossible, il n'y a pas de résultat pareil. Allah n'a pas expliqué comment il fait. Li. Mais Allah a donné une réponse plus générale que ça. Il a dit, mais pour moi, c'est simple ça. Où est-ce qu'il y a Hayyin? Haoun, c'est un demande qui tient qui va dire ou faire les vins plus facile. Yassir aussi veut dire facile. Nous ne pas faire de Allahumma yassir. Mais qui différence qu'il y a entre Haoun avec Yassir? Haoun, c'est une facilité qui vient après avoir qui me connaît et la difficulté là-dedans. Quand il y a quelque chose, ou autre facilité, parce qu'il quoi nous dire, un petit peu paresse. Ah, il besoin de lever là-bas, là. Voilà, facile. Et pourtant, finalement, il y a là-bas qui comme bobo, il y a comme sac, là. Mais seulement quand tu connais, si mais la même difficile. Comment nous gagner? Guide de devoir voyage. Qui nous lie de devoir voyage? Allahumma hawwin alayna safarana hadha. Oh Allah, facilite pour nous ce voyage là. Mais qui difficile est là de voyage? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, voyage est comme une partie de punition. Nous comptons nous. Et quand on voyage là, il n'est pas comme ça, hein? Il n'est pas comme ça. Zis décoller à tes rires qui vont m'aider. Zis décoller à tes rires qui vont dire. L'état où Abdi Zizé Kouma disait tant. Il y a là qui va le comprendre. Mais seulement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit à nous, voyage, c'est une partie de punition. Donc le fait qu'il nous connaît la difficulté là-dedans, qui nous, de voilà qui vient. Yassir ou bien Hawwin. Hawwin qui vient. Parce qu'il y a une difficulté qui vient devant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand toi tu peux trouver l'impossible là, lui dire, où allez ya Hayyin. Mais c'est facile ça. Ensuite, on dirait comme une petite explication, on dit à nous, « Wa khad khalaqtuka min qabl, wa lam taku shay'a. » On te trouve ça difficile là, mais tu n'oublies au Zakaria, toi-même, parce qu'il n'y a rien avant de créer toi. Qui ne comprend pas ça? Chers frères et sœurs, pas bizarre dans la logique qu'Allah voulait quelque chose arriver. Pas bizarre dans la logique. La logique, c'est quoi? Si madame là, tu as un enfant, ensuite tu as un Michel, il y a l'un de Dieu qui bon, qui peut gagner une difficulté là? Ça, la logique. Pour Allah, pas besoin de logique, lui.
Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas besoin aucune logique. Parce que ça, c'est la deuxième partie de la réponse. Nous finissons créer toi, ton parti existe avant. Mais la première partie là, c'est quoi? Pour aller à Hayyin. Il y a une petite chose trop facile là, là au moins. Donc ça, c'est la deuxième petite chose qui amène nous pour comprendre de la création Allah. Et troisième, chers frères, qu'on va nous dire, à travers cette création à Astir, nous trouvons capacité, nous trouvons capacité Allah. À travers cette création, n'oubliez-nous un moment pour insan, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène nous pour réfléchir nous-mêmes, quand il peut dire « Wafi anfusikum afala tubsirun » et dans votre propre nafs, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé, mais seulement nous avons un devant d'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Dans surat al-Baqarah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha » Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas monté. Pour donner toi l'exemple d'un moustique à monter. Qui fait un amène moustique ici? Pourtant, il y a une création qui est petite. Parce qu'il y a une de bonnes raisons, c'est qu'un moustique, c'est parmi une création qui est dans la vie, qui deal avec insan, qui deal avec insan. Parce qu'il y a une des autres créatures qui est dans la vie, mais seulement qui deal avec insan. Ça nous trouve l'idée devant nous. Ok, qui nous a trouvé là-dedans? Qui nous a trouvé dans le moustique? Un vol vient passer à soi. Un vol vient passer à soi. Première petite chose qui de nos jours nous dit qu'il était. Tes caméras, tes caméras. Et tu as oublié de caméra, ou de ces images-là. Vous dites, hey, dans le noir, il filme ça là. Dans le noir, caméra là, il filme ça là. Mais je dis, pas besoin d'aller à la lumière là. Pas besoin d'aller à la lumière. Longtemps quand tu faisais une photo là, vous connaissez à part qui vous a mené. Ça là, dans le noir, il fait ça là. Caméra là, bon, pas bon. On nous a trouvé une moustique ratée, picou, picou, vous voyez. On nous a trouvé une moustique ratée, picou, les picou, traverse, hein. Comment ça veut dire ratou? Un moustique veut dire même dans le noir, même dans le clair. Il trouve pareil, oui, non. Il trouve pareil, oui. Qu'a-t-il dit, là? Qui a-t-il dit, un moustique énorme? Dans le noir, au pied de Oumila, la somme là, ça grandit là, il n'y a pas de personne qui va venir piquer moi-même. Azodi nous étonnait en infrarouge avec caméra. Mais Allah va finir de nous l'exemple moustique là. À travers sa création, nous trouvons sa capacité, oui non. Comme l'exemple, moi, nous avons imaginé un serveur. Comme l'exemple, nous avons imaginé comme ça. Donc ça c'est parmi un rappel qui vient avec nous pour aujourd'hui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala cause de la création, et là plus précisément, il permet un de ce bon prophète, Yahya alayhi salam, qui vient depuis Zakaria alayhi salam, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala manifeste devant nous sa capacité quand Zakaria amène ça, sa question là.